Allô? 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 Oui, monsieur Massa, vous écoute. Ouais, bonjour, docteur Colin Campbell. Je menais récemment des recherches sur un projet visant à mieux aider les femmes d'âge moyen comme moi à manger de façon saine à base de plantes. Au cours de mes recherches, je suis tombé sur votre site web et je me suis rendu compte que vous aviez aidé de nombreuses personnes à améliorer leur santé grâce à vos informations factuelles sur la nutrition à base de plantes. J'ai été tellement motivé et inspiré par votre approche pour perdre le poids de façon saine, en particulier par votre article Surmonter l'alimentation émotionnelle, dans lequel vous avez exposé les techniques très utiles pour la pleine conscience, influence, des techniques très utiles pour que la pleine conscience influence positivement les personnes à travers les pensées, les sentiments et les actions pour manger et vivre de façon saine. J'ai trouvé votre article tellement utile que je devais le lier à l'un des titres de mon article Arrêter le besoin de nourriture. La tactique ne fonctionne pas. Voudriez-vous jeter un coup d'œil et me donner votre opinion d'expert à ce sujet? En passant, mon équipe marketing a effectué une analyse marketing approfondie du contenu de votre site web et de votre publication Facebook et nous espérons que cela vous sera utile. Merci. Commentaire. Commentaire, s'il vous plaît. Ce n'est pas de commentaires, ça va, non? On part au web analysis. Allô? Oui. Oui, je pense que le consultant qui écrit n'a pas terminé. Il n'y a pas une formule de politesse à la fin là. OK. C'est pas bon. Faut toujours une formule de politesse. Merci pour la remarque. Personne ne veut pas. Si c'est tout, si c'est tout. Allô? Oui, bon, ce mail n'est pas très différent du premier, hein, et bon, il manque cette formule de politesse là. On voit qu'il s'est intéressé à ce qu'il allait fouiller pour voir ce que le client fait pour attirer sa sympathie. Alors, Et à la fin, oui. Pardon? le client, Ah, l'influenceur. Oui, et avant la dernière, il lui a rendu un service du jour de façon gratuite, l'analyse de son site web. Et avec ça, ça va pousser le client à l'action. De savoir que quelqu'un lui a offert un service gratuit, de façon gratuite. OK.
traduit le troisième. Je crois que le troisième a les éléments un peu différents. On peut le lire en anglais si ce n'est pas traduit. Allez-y alors. Ce n'est pas moi qui vais lire. Si la personne peut lire, on passe au website analysis, non, s'il vous plaît, parce que j'ai dormi tôt aujourd'hui. Hello, Dana Demtre and Ruby Thompson. Not many diet experts online address the need of mature women. So when I came across your website, I was impressed because you as adless women know our need and you share with your community what works for our age group. Like many women of our age, I have problem with food craving and I came across your video on how to control hunger and food craving. And I also think Love Dia is great supplement to help with food craving. Thanks for the information. I wrote a blog post titled Stop Food Craving, Tactics Don't Work. I analyzed the topic for another angle and I think you will like it and I will also appreciate your expert opinion. As a thank you give for what you are doing for ageless women like me, my marketing team did an analysis of your website analysis. Hope it adds value to your business, your sensory. Thank you. Qui me dit quelle est la différence entre ce mail et l'autre mail et les deux autres. En tout cas, la différence. Là où la différence. La différence première que j'ai ici, c'est que le lien de l'analyse du site a directement été envoyé au client. Ce n'était pas le cas. Je n'ai pas vu le lien de l'analyse dans les deux autres. C'est parce que ça a été traduit, monsieur Massin. Qu'est-ce qui a été traduit? En traduisant en français, ils n'ont pas mis. Non, même dans les... Attends, dans les mails originaux, est-ce qu'il y avait ça? Il y en avait. Oui, il y en avait. À part ça, s'il vous plaît, quelle est la différence? Ici, au premier, je vois que c'est comme s'il écrivait à deux personnes, en fait. Dana Demetre et Robin Thompson. Hein? J'ai l'impression qu'il écrit à deux personnes. Dana Demetre et Robin Thompson. Oui. Ouais, c'est la même entreprise. Ce sont des interfaces dans l'entreprise. Merci, monsieur Mass. Continuez. Et ici, là, elle parle des femmes âgées. Pourtant, dans les deux autres, c'était les âges moyens. Non, les femmes moins âgées, pardon, ageless. Pourtant, dans les deux autres, c'était les femmes en âge moyen. Il y a une différence sur la cible. OK. Mais où je veux qu'on arrive, c'est au niveau de la stratégie utilisée. Dans les autres mails, ils ont backlink. Ils ont backlink. Ils ont inséré le lien de l'article
de l'influenceur dans leur article. Bref, nous avons, c'est mieux que dit, nous avons inséré le lien de l'article de l'influenceur dans notre article. Mais dans celui-ci, on ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que c'est possible de ne pas trouver forcément le lien entre ce que c'est possible de ne pas trouver le moyen d'insérer le lien de l'article de l'influenceur. Maintenant, la stratégie, on ne dit pas l'influenceur qu'on a backlink, mais on dit juste, regardez ce paragraphe. I wrote a blog post titled Stop Food Craving Techniques Don't Work. I analyze the topic from another angle. Ici, on dit à l'influenceur qu'on a écrit notre article et on a analysé dans un autre angle, différent de ce qu'on a dit ce qu'on a dit les autres fois. Voilà. Et on demande juste, on demande également à l'influenceur de donner son appréciation. Donc, c'est la stratégie qu'on utilise quand on ne trouve pas le lien, comment backlink l'influenceur dans notre blog. C'est la partie là que je voulais vous faire remarquer. Bref, c'est tout. Vous voyez la différence? Vous voyez par rapport? Ouais, tout à fait. Oui. Ok. Mais au fini, c'est le même résultat, c'est le même cheminement. Mais on change juste une petite tactique en fonction des cas pratiques qui se présentent à nous. Bon. Monsieur Gervais ne parle plus. Je sens que Oulena, il dit seulement que web analysis. Mais tout à l'heure, web analysis, on commence. Je ne suis pas sûr qu'on va. Allô. Allô. Oui, allô, Daniel. Oui, je vous écoute. Ouais, j'ai une préoccupation. Allez-y. Ici, là, le client qui a écrit le mail, je ne comprends pas bien quel est son objectif. Allô? Monsieur Gervais. Lui, c'est lui qui parle. Je sais, j'ai eu une personne pour le répondre, pardon. Oui, Daniel, je t'écoute. Oui, monsieur Serge, lui, je pose une préoccupation. Papa? Il peut ouvrir ta question, s'il te plaît. Il ne comprend pas l'objectif de Justine pour cette email. C'est la personne qui a acquis devait donner l'objectif. Ok, maintenant. Ok, il doit donner son objectif. Mais on a dit que tout, au moins, c'est le premier mail, le deuxième mail, j'essaie un peu de donner, je vais dire, un peu de contexte historique. Mais tout ça, ce sont des personnes qu'on aborde pour une première fois, quoi. Et pour une première fois, on se dit, on vient aider, on vient assister, quoi, la personne à qui on écrit. Donc, pour moi, l'objectif, c'est d'aider, d'entrer en contact avec cette personne. Je vais dire premier contact. Merci, monsieur Louis. Mm-hmm. Ça va. Et les éléments d'aide qu'il apporte, alors, c'est l'analyse du site web là, ou bien c'est quoi? À votre avis. Et l'article qu'il a produit. Ah oui, l'article. Ok, non, c'est vrai. Non, l'article qu'on a produit, c'est pas pour lui. L'article, c'est pour nous. Non, il a accès à l'article. Oui, c'est l'article. Pardon? Ah, ok. Donc, il y a l'article, il y a l'analyse du site web également. Monsieur, lui, je ne vous comprends plus. Non, non, ça va. Ok. Autre commentaire ou question? Même quand il n'y a pas, on dit qu'il n'y a pas, non, ouais. C'est bon, il n'y a plus de commentaires, Tchitcha. Pardon, c'est la mienne, c'est pas du tout. Allons sur le web analysis.
Mais avant qu'on arrive à Rob Sanel, ok, allez-y. Il faut lire, c'est pas moi qui vais lire. Return on investment of the website. Monsieur Martien. Oui, Daniel. Une autre personne commence à lire. Qui lisait? C'est j'entends, lis là. Ah, tu suis pas. Encore... Tu as le problème d'audition ou bien? Peut-être. Many companies embark on the journey of building a website, spending hundreds of thousands. Of thousands, sometimes even millions, without clearly defining how they will measure the return of the investment made on the website. A simple question we want to answer in this session is: what measurable return of investment in the company or will the company get from their website? The possible measurable return on investment can be divided into the following. A, brand awareness. Building trust with your target audience that positions you as the best solution provider to their problem. The idea is to make them stick to your brand so they can completely forget about the competitor. The trust should prepare them to become loyal customers on yours. You can measure brand awareness with the following. First, the amount of traffic coming to your website. Two, the quality of traffic coming to your website. Who are those who come? Where do they come from? Three, what engagement do people make on our website? Do they click, bounce, leave before 7 seconds? Comment, like, chat, testimonial, review, like, share, read your content. B, Lead generation is the lifeblood of every company. If you don't have prospect leads who have interacted with your brand, nor know your unique value proposition and ready to buy from you, your business will experience ups and downs in her revenue. Even people who are not buying now but who are far in their buying journey is the absolute importance to the survival of your business. Your website should provide the possibility to convert your target audience from visitor to lead. These are people who told your brand awareness campaign have engaged with your brand to the point where they are just waiting to become customers. Measuring lead is simple. One, the action to take your website. Two, the quality of data. They provide you email, phone number, their challenge, their feedback. Where they are with their problem. Je crois que c'est tout. Tu as compris. Revenons au début. C'est vrai qu'en anglais, là, dès que tu as compris. Tu me
qu'on traduit. Excusez-moi un peu. Retour à l'investissement sur du site web. Beaucoup de compagnies embarquent leur journée dans la construction des sites web, dépensant des centaines de milliers c'est des dollars, je ne sais pas, something even million. Without clearing, defining how to measure the return. Donc, sans mesurer le retour à l'investissement de leur site, fait par leur site web. The simple question we want to answer to this session is what measures to return investment or in the company from the website? Une simple question à répondre dans cette session est comment mesurer le retour à l'investissement du site web de la compagnie? Oui. Et puis on dit que cette mesure, cela peut être mesuré de façon. Cette mesure peut être possible par brand awareness. Et là, ils expliquent dans les détails construire la confiance à travers l'audience cible. Exactement. Bon, là je suis un peu embarrassée parce que si c'était en français, on devait aller plus vite. Maintenant, s'il faut traduire. Bon, je ne sais pas comment je vais commencer là. Oh mon Dieu. Je suis en train de faire un petit travail aussi. Qu'est-ce qu'on fait de la façon? Ce que je veux savoir, avant aujourd'hui, qui a lu le document? Vraiment. On a vu ça la semaine passée. Monsieur Gervais. Commencez par moi comme ça. Oui, parce que c'est vous qui avez parlé, qui avez dit qu'aujourd'hui, on ne quitte pas sans parler de West Analysis. Le document est. Avant, je dis, j'ai pas lu le document. Qui a eu le document avant aujourd'hui? Moi, j'ai lu. Moi, je ne l'ai pas lu. C'est tout à l'heure que je découvre. Ok, en fait, le document explique les différentes étapes à suivre pour analyser un site internet. Et l'objectif de l'analyse site internet, c'est que le site internet va vendre. Quand quelqu'un fait un site internet, c'est pour vendre. C'est un peu comme une boutique. Quand on ouvre une boutique, c'est parce qu'on veut vendre avec cette boutique. Donc, du coup, pour vérifier alors si la boutique vend, ou si le site internet vend, ou si le site internet fait un retour, un retour sur investissement, il y a différents outils. Commentez un peu, monsieur. Oui, les différents outils, en fait, il parle de brand awareness, building trust, donc construire la confiance vis-à-vis de l'audience cible. Qui partage l'écran? Il faut remonter, s'il vous plaît. Ok. Donc, je pense que c'est clair, non? A simple question we want to answer in this session is what measurable return on investment is the company or will the company get from their website? De savoir est-ce que le site web ou peut-être l'entreprise, est-ce que l'entreprise fait des revenus ou a un retour sur investissement à partir de son site internet?
Et maintenant, la première partie, comment faire pour s'assurer, pour mesurer en fait, ce retour sur investissement? C'est par le brand awareness. Brand awareness, bon, si on traduit littéralement, c'est c'est attirer l'attention par ça. La notoriété de la marque, le brand awareness. Voilà, la notoriété de la marque. Ok, merci. Building trust with your target audience. That position yourself. Maintenant, un, the amount of traffic. Donc, pour mesurer le brand awareness, c'est, on utilise, il faut déterminer le taux de trafic qui vient sur le site web, la qualité du trafic et l'engagement. L'engagement, sachant que les personnes, bref, comment je dis, les personnes qui viennent sur le site web, les visiteurs, ont une durée inférieure ou égale à 7 secondes. Donc, si tu parviens à avoir une attention de plus de 7 secondes, ça veut dire que le taux d'engagement est considérable. Donc, avant d'aller sur le point B, je pose la question, avec les outils qu'on vous a déjà montrés, avec quel outil on peut mesurer le amount of traffic? Monsieur Gervais. Ok. Comment on commence par moi? On peut mesurer sa vie. Bonne réponse. Super. Donc ici, pour la partie A, on le voit, c'est analysis. On a besoin de SimilarWeb pour le numéro 1, amount of traffic. Maintenant, quality of traffic. On a besoin de quel outil? Spyful. Pardon? Spyful. Mais Spyful, c'est plus pour les keywords, non? On parle de quoi là-bas? On parle de quality of traffic. Et qu'on peut prendre Facebook pour Facebook. 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 La qualité du trafic, non? Oui. Facebook. Oui, Facebook, pour regarder si on a bien ciblé, du moins, il y a ciblé. Mais est-ce que le trafic vient sur le site web absolument à partir de Facebook, monsieur Gervais? Yes, c'était un exemple. Ah. Ici, la réponse, c'est la réponse précédente, c'est toujours similaire web. Vous savez, similaire web qu'on peut déterminer le amount of traffic, le quality of traffic. Il y a similaire web. Voilà. Et monsieur, j'avais Facebook. Je vois Facebook. Dans quelle mesure Facebook peut nous aider à déterminer la qualité du trafic? Oui, la qualité, parce qu'on fait du moins une publicité ciblée. On sait qu'OK, telle tranche d'âge, du moins ça parle déjà de qualité, puisque mais ça parle de qualité. On sait à qui on envoie cela, quoi. Monsieur, j'avais ici, on parle de. Comment je veux dire? Bon, prenons un cas pratique. Comme on a fait pour Justine là. Donc, on prend les sites web des influenceurs, on analyse et on le donne comme cadeau. Donc, si je veux analyser le site web, par exemple, de l'influenceur X, et je veux utiliser Facebook pour déterminer la qualité de son trafic, répondez maintenant. C'est la même réponse que vous allez donner. Mais non. C'est quelle réponse? Donc, considérez que ici, vous êtes le consultant et vous avez besoin d'analyser les sites web pour pouvoir donner ce site web comme cadeau pour votre call traffic. Donc, c'est dans cet esprit qu'il faut analyser ça. Ce n'est pas dans l'esprit que c'est une personne qui analyse pour une autre personne. J'aimerais que tu sois un peu précis. Par exemple, quand tu dis la qualité du trafic, que SimilarWeb donne à ce moment, okay, tu peux m'expliquer à quel niveau, parce que je sais que si SimilarWeb amende le trafic et la durée, les gens mettent sur le site web, ça te donne déjà ça. Maintenant qu'il dit la qualité du trafic, qu'est-ce qui entre dans la qualité du trafic? Voilà. Je crois que c'est la première question que la qualité du trafic, c'est quoi? Ok. Ici, la qualité du trafic peut être définie par la source du trafic. Parce que la source du trafic, est-ce que le trafic est organique? Est-ce que le trafic est direct? Est-ce que le trafic vient de recommandations?
Voilà. Donc, c'est à ce niveau qu'on juge la qualité du trafic. Ok, là maintenant je peux dire que avec conviction que c'est sinon, parce que quand j'ai qualité de trafic, ok, je peux dire que okay, les gens qui viennent, et si ce sont les gens que j'ai ciblés, tu sais, les gens que je cible, moi j'ai compris ça comme ça. Les gens qui viennent dans mon site, ce sont les gens que je cible, mais c'est n'importe qui ne peut même pas acheter après. C'est pour ça que je parle directement sur Facebook, parce que je cible une catégorie, quoi. Et c'est à eux que je présente. C'est pour ça que je dis directement Facebook. Mais si c'est maintenant des sources qu'on dit là, ok, je vois maintenant que ça se trouve dans Similarweb. Il y avait un problème de compréhension de qualité du trafic de mon côté. Voilà. Joseph, c'est qui maintenant? Ouais, c'est Je vais pas faire comme si tu n'as pas vu. désolé. Bon. Ah. Oh, je pensais que c'était mon écran. Ouais, désolé. Oh. Voilà. Monsieur, donc, c'est un peu ça. Qualité du trafic, on utilise toujours Similarweb. Le degré d'engagement. Le degré d'engagement, ici on utilise Similarweb, mais pas seulement Similarweb. Autre chose, pour la qualité du trafic, on utilise également UberSuggest. Vous connaissez UberSuggest? Non. Non. Ok, on va découvrir. Avec UberSuggest, on peut déterminer les backlinks, le nombre de backlinks. Voilà, parce que la qualité du trafic peut venir également des backlinks, des referrals et tout. Donc, c'est intéressant de connaître le nombre de backlinks, les mots qui sont. Le backlink. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, on utilise UberSuggest. On va voir par la suite. Mais cette vidéo s'arrête dans quelques minutes. Ce qu'on va faire, c'est que si la vidéo s'arrête, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer le lien d'un website analysis, d'un exemple de website analysis. Parce que, comme j'ai dit, comme vous voyez les écrits ici, là, c'est tout ce que vous allez trouver sur analyse. Ce que Doc a donné. Donc maintenant, c'est en pratique, chacun de nous, on va comprendre et poser les questions et ajuster, améliorer. Donc, je vais vous envoyer le lien dans Website Analysis, le premier Website Analysis qu'on a fait avec toutes les méthodes qu'il a montrées. Voilà. Maintenant, à chacun de nous, vraiment, quand on n'arrive pas, excusez-moi, quand on n'arrive pas samedi prochain, quand on dit que c'est maintenant que je découvre, franchement, ne vous pas. Parce que c'est intéressant de lire avant. Maintenant, quand on vient là, c'est peut-être, ok, quelle partie j'ai pas compris, quelle partie j'ai pas compris. On essaie de travailler, on essaie de voir. Donc, je vais vous envoyer ça déjà. Et chacun pourra voir les détails, en détail, les parties, les captures d'écran et tout, les commentaires qui ont été faits. Donc, le niveau d'engagement, l'outil qu'on utilise, c'est également Similarweb. Le temps de. Bref. Monsieur Javès, encore voilà. Le temps de. Le temps qui passe sur le site sur Internet, quoi, sur ton site Internet, la durée. Voilà. Voilà. Et on peut également mesurer l'engagement en allant sur les réseaux sociaux de notre influenceur. En voyant l'engagement de ses fans. Des personnes qui likent sa page, est-ce qu'ils commentent, ainsi de suite. Donc, faire ces recherches-là à ce niveau pour ajouter à la rubrique engagement. Voilà. J'ai une question à ce niveau. Oui. Quand on dit l'engagement, on mesure comment? C'est à quel niveau qu'il dit que les gens se sont beaucoup engagés? C'est qu'il a 10 personnes? C'est qu'il a 20 Premièrement, au niveau, quand le taux, la durée sur le site est supérieure à 7, un taux d'engagement, voilà. Ça, c'est déjà un bon point. Maintenant, autre chose, quels sont les. Voilà, on dit live chat testimonial, quels sont les reviews? Les reviews en fonction des avis que les gens ont laissés sur le post, sur ton site, des commentaires. Voilà. Donc, ce sont ces éléments-là qui constituent des. Il n'y a pas les taux. Il n'y a pas. On n'a pas te dit, par exemple, OK, à 10%, c'est pas les taux en fait. On n'est pas, c'est pas par rapport au taux. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires positifs sur ton site internet, les commentaires, ainsi de suite. C'est ça qui constitue
Tu savais ça comme mesure de degré d'engagement. Ok. Des questions pour cette partie, s'il vous plaît. On va se lever sur cette partie aujourd'hui. Et moi, plus de questions. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir, pour connaître le temps que quelqu'un a passé sur votre site web? Simila Web nous donne ces éléments-là. Monsieur Gervais. Oui. Il reste combien de minutes? Parce que je ne sais pas, peut-être vous pouvez partager, ouvrir peut-être Simila Web et choisir un site bon et montrer l'exemple. Il reste 2 minutes quelque chose. Voilà, ça veut dire que vous, monsieur, qui a posé la question? Essayez. Ok. Vous allez voir ces éléments-là dans l'exemple que je vais envoyer. Vous allez parcourir. Le document n'est pas long. C'est trop 10 pages. Et c'est plus des captures d'écran. Donc, là vous allez voir à quel niveau on regarde la durée, à quel niveau on mesure l'engagement, ainsi de suite. Voilà. Vous préparez les questions pour la prochaine séance. Et pas seulement pour la prochaine, même avant la séance. Comme ça, si ça me dépasse, je demande déjà rapidement. Parce que moi, même en sort pas. Autre chose. Voilà, autre chose. Je ne sais pas jusqu'à quand est-ce qu'on va travailler comme ça pour moi-même. J'attends inbox, pas ici. J'attends inbox. Bref, des propositions, non. Donc, si vous avez des propositions, des critiques par rapport à ce qu'on fait, si vous avez des propositions d'amélioration, des critiques constructives, bien sûr, bien vouloir me les faire inbox, s'il vous plaît. Ça va également m'aider. Ça marche? Ah, oui, ça marche. Ok, la prochaine séance, monsieur Martial, c'est vous qui faites les 5 minutes de motivation. Donne-moi les thèmes, s'il te plaît, Daniel. Le thème, c'est quoi? Thème de quoi? On n'a pas le thème. Il a choisi le thème lui-même, je pense. D'accord, ok. Le sujet qui m'intéresse, j'ai compris. Mais en rapport avec votre histoire, pas bon, un truc plus réel, ne venez pas avec les livres aussi. Est-ce que l'homme n'est rien sans les bords? C'est clair, non? Mais on peut prendre le bord pour associer avec à son histoire ou l'histoire d'une personne proche. Je suis d'accord que l'homme n'est rien sans son.